Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Amazon et AliExpress parce que j'ai fait deux petites commandes, donc de un article chacune, et bien sont arrivées à quelques jours d'intervalle et je me suis dit que j'allais vous les faire, enfin que j'allais vous les présenter en tout cas en même temps dans une seule vidéo pour éviter d'avoir des vidéos de seulement de 3 minutes. La première commande, je l'ai faite le 22 mars. Elle devait arriver le 4 avril. Nous sommes le 5. Elle a été mise dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Donc, c'est celle d'Amazon. Enveloppe à bulles, simplement. Ce sont des petits anneaux comme ceci. Alors, ce qui s'appelle anneau ouvert. Je vais afficher les détails du produit sur Amazon pour vous en dire plus. Donc, ce sont des anneaux ouverts Jump. Il y en a 1450 à l'intérieur. Ce sont aussi ce qu'on appelle des anneaux de seau fermoir. Il y en a de 3 mm jusqu'à 10 mm pour connecter les colliers, la fabrication de bijoux, du bricolage. Ils sont en couleur antique bronze. Alors, très précisément, ils sont en finition brillant. Les tailles, il y a quand même beaucoup de tailles différentes. Je vais essayer de l'ouvrir sans forcément en mettre partout. Ma poubelle est à l'autre bout. Nous sommes mercredi, c'est normal là, puisque le conteneur est à mettre le mardi. Hop, je vais ouvrir comme ça et je refermerai. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais les laisser dans cette fleur-là ou si je vais les mettre dans autre chose après. Hop. Et je pense que là, j'ai fait le tour. Alors, on va essayer de ne pas les faire sauter. Hop. Donc, comme je m'y attendais, je l'ai ouvert dans le mauvais sens. Donc, je vais être obligée de les remettre. C'est pas grave. De toute façon, j'avais l'intention de les mélanger dans une autre boîte. Et ça, je vais m'en servir pour autre chose. La cruche de service, hein, quand je vous dis que je ne suis pas très. Donc, au niveau des tailles, peut-être que je la reclasserai par taille. Alors, il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Ensuite, celle-ci. Ensuite, celle-ci. Et ensuite, la dernière qui est vraiment très minuscule. Celle-là, je ne suis pas sûre de m'en servir un jour. Voilà, donc j'essaie de ne pas trop le brasser pour retrouver les mélanges. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tailles différentes. Donc ça va de 3 mm jusqu'à 10 mm. Donc je vais essayer de les mettre plutôt sur un petit support parce que là vous ne voyez rien de si loin. Hop, hop. Hop, hop. Et la dernière. Attention, Claire, ne se coupe pas le papier. Voilà. Donc au niveau du prix, ce n'était pas donné. Je sais qu'on peut les avoir à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher sur AliExpress. Mais je n'ai pas voulu commander sur AliExpress. Je suis restée sur une boutique qui était européenne, puisque c'est une boutique allemande. Voilà. Je n'ai pas voulu. Alors certainement qu'ils sont, ils sont pas fabricants. Peut-être que c'est importé de Chine pour eux. Mais moi, j'ai acheté chez une boutique allemande. Voilà, c'était ce que je voulais en principal. Le reste, c'était pas savoir où ils achètent leurs produits, leur matière première. C'est pas important. Et donc, est-ce que c'est écrit là-dessus d'où ça vient? J'ai lu Allemagne tout à l'heure. Mais pom pom pom. Ouais, bah, j'ai mis mon sceau cache confidentiel dessus, vous savez, celui-là. Donc on voit plus. Mais ça vient d'Allemagne en tout cas. Et donc ça coûtait 16,99 €. Comme chez Amazon Prime, je n'ai pas payé de frais de port. Donc déjà, je n'ai pas de livraison en plus. C'était vraiment 16,99 €. Et je les ai eus en une dizaine de jours. Ce qui reste correct, même si ça vient d'Allemagne, en sachant que il est passé par bateau, donc je pense qu'il a fait un petit détour. Hein, parce que Allemagne, Normandie,
voilà, il a dû monter jusqu'au nord de l'Allemagne, prendre le bateau et descendre jusqu'au Havre et revenir. Et vu que nous sommes en période de grève en France, il me semble, alors je ne juge personne, mais il me semble que les dockers, ont parlé de grève. Donc c'est peut-être pour ça que c'est arrivé seulement aujourd'hui. Parce que l'Allemagne, normalement, c'est plus rapide que ça. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, de toute façon, je n'étais pas pressée de les avoir, puisqu'il m'en reste encore un petit peu, mais voilà, je vais en avoir besoin pour faire le bijou d'album de l'album que je suis en train de faire, donc c'est pas plus mal qu'il soit arrivé aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Je vous mettrai en barre d'informations en dessous le lien vers la boutique de cet article sur Amazon pour que vous le retrouviez facilement. Alors, eux, ils expliquent que ce sont des anneaux de sceau qui sont faits de métal de bonne qualité. Voilà. Difficile à décolorer. Il y en a en 3 mm, ils disent qu'il y en a 400. En 4 mm, il y en a 400. En 5 mm, 200. En 6 mm, 200. En 7 mm, 100. En 8 mm, 100. Et en 10 mm, 50. Donc, je reprends 400, 400, 400, 200, 200, 100 et 50. Bon, après 50 pour les très grands, faut déjà y aller hein, parce que je sais pas si vous voyez, mon petit doigt rentre pas dedans, mais bon, presque hein, le bout rentre en tout cas. Moi, je me servirais plus, je pense, de ces deux tailles-là. Celle-là, à la limite, je m'en servirais vraiment quand on veut accrocher directement sur l'album sans être obligé de mettre. Une épingle, donc ça peut être sympa en haut d'un album. Ouais, je pense que ça verrait quand même. Au final, vous voyez, on trouve toujours utilité dans le scrap. Par contre, le tout petit, effectivement, ce sera vraiment parce qu'il faut que je m'en serve, parce que j'en ai quand même 400. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Donc c'est pour les bijoux, l'art, enfin les arts, l'artisanat, le bricolage. On peut suspendre des petits objets à des colliers délicats, des bracelets de cheville. Voilà. Donc la boutique en question, je vous la mettrai le lien vers le dans la en bas. Donc comme ça, vous dans la barre d'information en dessous, il faut juste faire dérouler et vous aurez ce produit. Et également, je vous mettrai l'autre produit de AliExpress, même si vous n'en trouverez pas forcément si vous regardez la vidéo plus tard, parce que AliExpress, ça change beaucoup. Les liens ne fonctionnent pas très longtemps. Donc au niveau des photos, qu'est-ce qu'il y a de plus? Pas grand-chose de plus. Hop. Donc eux ils mettent qu'on peut s'en servir aussi pour des boucles d'oreilles, d'où les petits, pour des bracelets, pour des bagues également, pour accrocher des choses sur des bagues. Voilà. Donc les frais de port, je ne peux pas vous dire si vous n'avez pas comment dire de Amazon Prime, je cherchais le mot. Mais bon. Donc moi, j'ai déjà commandé dans cette boutique, j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà. Je suis satisfaite. Il y avait des moins chers, mais quand je les ai commandés, ils n'y étaient pas. Donc je pense que Amazon me propose des choses moins chères, au cas où j'aurais envie de recommander. Mais là, je pense qu'avec le stock que j'ai, ça va aller. Voilà. Et il y a aussi des boîtes où vous n'en avez que en or, que en argent, ou des boîtes mixtes où vous avez les trois couleurs. Voilà, je vous ai tout dit, on va passer à l'autre article. Et moi, je m'amuserai à retrier ça puisque je suis gourde. Donc, l'autre article, il a été commandé. Alors, j'ai commandé en deux catégories différentes. Ça, je vais mettre dans la poubelle parce qu'il y a de l'encre dessus, je vais me salir les doigts. Il a été commandé en deux catégories différentes. Donc, moi, j'ai commandé deux paquets de tours comme celle-ci. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà déballé, j'ai déjà utilisé ce qu'il y avait à mettre dedans. Voilà. Les tours comme ceci, ça coûtait. Alors, attendez que je retrouve. Toc, 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 toc. C'est celle-ci. Donc, deux colonnes plus. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Plus deux sachets de. Enfin, deux sachets. Il y avait deux sachets. Donc, 10 tampons encreurs comme ça, bombés. Plus 10 tampons encreurs comme ça,
plat. Voilà. Le paquet est à 17,94 €. Il est en promo actuellement. Et si c'est votre première visite sur AliExpress, vous pouvez l'avoir en beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà, parce qu'ils proposent des coupons. Moi, j'en ai pas eu puisque je suis pas nouvelle chez AliExpress, même si je commande de moins en moins chez eux. Donc, ça, c'est le premier paquet. Donc, j'ai commandé donc un impact. Non, je dis bêtises, je recommence. J'avais pris trois packs. Donc, un pack avec deux colonnes comme ça, 10 comme ça, enfin, deux colonnes comme ça. T'énerve pas, Claire. 10 tampons encreurs ronds et 10 tampons encreurs plats. C'était, je dis pas de bêtises, toc, 7,58 €. Voilà, c'est pas le même prix. Moi, je vous ai donné le prix parce que vous pouvez l'acheter en 3 paquets. Il y a une grosse réduction. Et en 5 paquets, il y a encore une autre réduction. À ça, j'ai rajouté un paquet de 2 tours comme ça en plus. Et le paquet de 2 tours comme ça en plus, c'était 4,96 €. Voilà, c'est nettement plus intéressant au niveau des prix. Et pourquoi je les ai achetés? Je pense que vous avez compris l'utilisation que j'en fais. Donc, je vais vous faire voir la tour. Moi, j'ai acheté il y a quelques temps les étiquettes comme ceci qui viennent de chez Craftelier. Donc, je vous fais voir le package. Ça coûte 2 euros et des brouettes. Ça s'appelle Ink Label. Étiquettes pour encre. Ce sont pour les étiquettes pour les oxydes. Les Distress Oxide comme ceci. Et les Distress Ink que moi je n'ai pas. Vous avez une plaque de chaque avec toutes les couleurs, presque sauf les deux dernières récentes. Et une planche, c'est qu'avec les distress, et une planche, c'est qu'avec les inks. Mais vous avez toutes les couleurs sur les deux. Ce qui fait que moi, les étiquettes pour les oxydes, je les mets sur mes pattes d'encre. Comme ça, moi, je peux les voir quand ils sont rangés sur le côté. Je ne m'embête pas à ouvrir tout. Et celles des inks, je les mets sur mes petites boîtes. Vous voyez? Donc là, la Broken China, elle est vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, est-ce que je vais le retrouver? Il est quelque part sur le bureau. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Puisque je m'en sers actuellement pour mon truc. Donc je vous fais voir, il est là sur mon truc. On met dedans, on maintient, hop, on déscratche. Et on ne met pas les doigts sur le tampon, donc on ne se salit pas. Et surtout, ils sont rangés dans une petite boîte et donc ils ne se mélangent pas les uns aux autres, ils ne sont pas à crachouiller votre placard. Donc ça se présente comme ça. Celui de la boîte du dessus, il a un petit couvercle. Et les autres, c'est la boîte du dessus qui fait le couvercle. Donc je vous fais voir. Au final, vous avez la boîte du dessus avec le couvercle. Et chaque petite boîte, vous pouvez la désolidariser, voilà. Et la boîte du dessous, en fait, elle a une boîte, mais avec un fond qui est différent, parce que vous ne pouvez pas visser dessus. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous voulez, faire des petites colonnes quand vous partez en crop, ou quand vous partez chez une copine, ou que vous emmenez ça en vacances, tout simplement, avec juste les tampons encreurs dont vous avez besoin. Ou bien alors, vous pouvez très bien les ranger dans le placard en mettant deux tours ensemble et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de laisser toutes les boîtes accrochées les unes aux autres dans le placard si elles sont vides. Donc moi, actuellement, elles ne sont pas toutes pleines parce que je n'ai pas assez de Distress Oxide pour les ranger. Mais celles que j'ai, je vais vous faire voir, visse-le correctement. Voilà. Donc cette tour-là, elle est pleine. Alors au départ, elles étaient les unes en dessous des autres, j'avais tout bien collé comme il faut, hein, tout pile poil. Et là maintenant, j'ai pas dû les remettre correctement quand je les ai rouvertes parce qu'elles sont plus en face les unes des autres. Donc je ne sais pas comment j'ai fait. Est-ce que en faisant ça, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. C'est pas ça non plus. Alors là, non. Vous voyez, à chaque fois qu'on tourne, on les déplace. Donc ça, c'est pas trop grave parce que dans le tiroir, je peux les tourner et regarder. Hein, et puis voilà. Donc moi, j'ai déjà rempli mes deux tours. Donc il en manque une là, forcément, puisque je n'ai pas, comment dire, la Broken China qui est sur mon support. Je vais la laisser pour l'instant tant que je n'ai pas fini mon album. Les tampons, les mousses, on peut très bien en avoir chez Action à pas cher ou bien alors chez d'autres un peu plus cher. J'ai mes quatre tours.
Et j'ai commandé chez Craftelier parce que je veux voir la différence. Alors, article commandé. Alors, la commande, elle est partie hier et je l'ai commandée le 3 avril. Commandé le 3 avril, expédié le 4 avril, donc je devrais la recevoir d'ici, je pense plutôt début de semaine prochaine. C'est une grosse commande. Je préfère vous prévenir, le hall Craftelier sera énorme. Et donc, ça se vend par 6 lots, par 6 pots. Et je vais rechercher l'article directement comme ça. Voilà. Et il est en promo. Au lieu de 1,90, ils sont à 1,39. Les 6 pots, moi, je l'ai eu. Les 20 pots à 4,96 parce que c'était une promo. Mais normalement, ils sont à 11,79 les 20 pots. Donc, c'est pas compliqué. C'est un petit peu plus cher chez Craftelier, mais ça reste vraiment. On reste européen, quoi. En sachant que c'est pareil, Craftelier, c'est pas eux qui fabriquent cette. Quoique c'est la marque Craftelier quand même. Attendez, je cherche ma calculatrice avec mon téléphone pour vous faire le prix à l'unité. Donc, si je prends sans remise, 11,79 divisé par 20, on est à 59 centimes le pot chez Craftelier. Donc, sans la remise, ça fait 1,90 divisé par 6. Ça les met à 32 centimes le pot. 32 centimes. Donc, ils sont moins chers, hein, je dis pas de bêtises. 11,79 divisé par 20. Ouais, c'est ça, ils sont moins chers chez Craftelier. En sachant que si on prend avec la remise, mais ça c'est pareil, ça changera selon votre catégorie d'ancienneté clientèle chez AliExpress. Donc si on prend avec la remise, nouvelle adhérente, parce que là je ne suis pas connectée quand je suis sur AliExpress actuellement. Donc avec 57% de remise, on est à 25 centimes le pot. 25 centimes le pot. Et avec la remise chez Craftelier, on est à 23 centimes. Donc ils sont quand même moins chers chez Craftelier. Donc moi j'en ai commandé, pas commandé, j'en ai commandé. Je reviens sur ma commande. Non, c'est pas ça que je veux juste ma commande. Alors, j'en ai commandé deux paquets de 6 pots. Donc, le 6 pots, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça vient jusque-là. Voilà. 2, 4, 6. Donc, ça fait 2 comme ça. Les deux lots de 6 pots, j'en ai eu pour 2,50 €. Alors pourquoi 2,50? Parce qu'un 39 multiplié par 2, ça ne fait pas 2,50 €, je suis bien d'accord. Mais j'ai profité de la réduction de la chaîne Onman qui est en partenariat avec Craftelier. Je ne sais pas jusqu'à quelle date, donc à voir. Mais allez voir la chaîne Onman, il a une réduction de 10%. Et sinon, il me semble que vous avez également la chaîne de Le Monde de Maggie. Je crois que c'est elle qui a ce partenariat aussi. Et pardon, je cherche. Oui, je crois que c'est elle qui a ça. On va couper le son parce qu'on n'a pas besoin de passer et de se faire bloquer. Craftelier. Donc, elle, c'est valable jusqu'au 23 avril. Il y a moins 10% pour toute commande de 50 € minimum avec son code. Donc, vous pouvez avoir 10% supplémentaire sur Craftelier. Je trouve ça génial. Et le monde de Maggie, pourquoi j'ai la chaîne qui était déjà ouverte devant moi, c'est parce que l'idée de ces petits pots-là qui viennent de chez AliExpress, je l'ai trouvée sur sa chaîne dans une de ses vidéos. Et je trouvais que c'était vraiment génial ce qu'elle avait proposé. Sa vidéo, je vous la mettrai en barre de description. Elle s'appelait Comment ranger vos mousses applicateurs d'encre. Elle a été publiée il y a 3 semaines. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et j'ai tout de suite adopté parce que ça va tout de suite dans mon tiroir à côté de moi du meuble Alex. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir ranger ça à portée de main, sans que ce soit le bazar dans le tiroir. Et ça, en hauteur, ça passe pile poil. Parce qu'en dimension, nous sommes à 3, allez, 3,75 de diamètre. Donc ça passe dans le tiroir, nickel.
Donc, je suis super contente de ces achats. Également de ce que j'ai acheté pour mes petits anneaux, même si je vais être obligée de m'amuser à les retrier, hein, n'est-ce pas? Puisque la gourde est passée par là. Et d'ailleurs, j'en ai deux qui sont. J'ai deux petits pots là, il faut que je retrouve parce que je les ai descendus au rez-de-chaussée. Puisque je suis déjà partie me balader avec, vous voyez, dans la maison. Et donc, je vous mettrai en lien donc le lien vers AliExpress pour l'article, le lien vers Craftelier pour l'article, n'est-ce pas? Et également le lien, et moi je vous conseille d'aller prendre celui de Craftelier parce qu'il est quand même beaucoup moins cher au pot, même si c'est des lots de 6. Et en plus, si vous prenez les 10% de réduction du monde de Maggie, vous gagnez encore plus par rapport à AliExpress. Et en plus, Craftelier, vous êtes sûr de là où ça vient. Et moi, c'est arrivé, enfin là, c'est parti. Ça va arriver d'ici, allez, en 4-5 jours en général, j'ai ma commande. Donc, je suis assez satisfaite. Hormis un petit bug dû au livreur. Mais autrement, ça se passe super bien avec Craftelier. Tout le monde connaît, de toute façon, Craftelier, c'est sérieux. Et donc, je vous conseille quand même d'aller chercher ceux de Craftelier plutôt que ceux d'AliExpress. Et je vous mettrai également le lien vers la vidéo du monde de Maggie qui parle exactement de ce que je viens de vous parler. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces articles-là. Dites-moi si vous avez bien rigolé de me voir ouvrir ma boîte à l'envers, hein, parce que j'ai du boulot, parce que je pense qu'au final, je vais quand même les retrier. Ouais, 1490 petits anneaux à trier par taille. Ouais, il y a 7 tailles différentes. Soutenez-moi moralement. Donc, en commentaire, bien sûr, vous mettez tout ça. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo. Je préférais faire les deux en même temps plutôt que d'avoir deux mini-vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.